Bonjour et bienvenue. On est de retour pour du Malak Odyssée. Alors, on a des quêtes avec notre vieux pote. Eidor. Oh, ma belle, je suis bien content de te voir. Oh, je connais cette tête. Toi, tu as besoin d'un service. Oui, mais tout petit, un mercenaire, un vieil ami à moi, a malheureusement été capturé. Que représente cet homme pour toi? Je n'aime pas les sous-entendus. Ce ne serait pas la première fois que tu me mènes en bateau. Par les dieux, c'est l'un de nous, Cassandra. Un Mystios, un vieux camarade. Nous devons aider un frère. Alors, tu iras le sauver pour moi, n'est-ce pas? D'accord, je m'en occupe. Merci, ma belle. Après l'avoir sauvé, amène-le à la plage. J'y ai laissé un bateau pour qu'il puisse s'enfuir. Dis-moi où je dois le chercher. Il se trouve dans un campement de soldats, un peu au nord d'ici. Je vais aller chercher ton ami. Au nord d'ici. Oui, c'est vrai qu'on est recherché par... par toute la planète. On a beaucoup sur notre tête. C'est qui ça? Ce sont des Athéniens, je crois. Pas du tout, Spartiate. Alors, tu veux qu'on aille au nord? Ça marche. Merde. Niveau 40. Ok. Il y a l'autre là-bas. Je vois rien. Merci la caméra. Encore que j'ai des réflexes, hein, encore. Ah, oh, vous me faites chier les touristes là. Oh la vache. Il y a l'autre qui nous a trouvé. Un troisième. Ouais, trois en même temps. Ouais. C'est quoi ça? Un chien? Okay. Attends, on a 2,38, 1,40. Chaud. Ok, Méliones, c'est oui, c'est le mec qu'il faut récupérer. Okay. Méliones, c'est celui-là qu'il faut récupérer. Bon, on va regarder la carte. On va essayer de se concentrer un peu sur l'histoire. Enfin, sur nos missions. Donc, t'as dit un peu au nord, un camp un peu au nord. Genre, ça, c'est le fort qu'on n'a pas fini, c'est vrai. Un camp un peu au nord, je dirais là-bas, peut-être. J'ai pas activé la quête par contre. Oh bah pour la trouver maintenant. Ah bah oui, nouveau. Eitor, trouver et libérer le mercenaire. Il est retenu dans l'Attique. Il est sûrement emmené au nord-est, dans les terres agricoles abandonnées. Il est sûrement retenu au camp militaire de Ramnus. Nord-est. Doit être là ou là. J'ai bien envie de me farcir les trois cons là quand même.
Je sais, je suis au courant qu'il y a une prime pour moi. Il y a toujours une prime pour moi, de toute façon. Très bien. Waouh, on a tout merdé. Ok, cool. Il me faudrait un grappin. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'un grappin tout d'un coup. Lyonnais, c'est lui. À terre, vite. Très bien. Faut qu'on essaye de finir l'autre là. Trop drôle, trop drôle. Ouais, super. Ok, d'accord. Oh là là, comment j'ai merdé, quoi. Quel nul. Et honnêtement, on va... Ça va mal finir, cette histoire. Monte. C'est pas pour les dieux, c'est pour l'argent. Tu n'as plus une chance. Arrête. Putain, mais... Oh là là. Elle voulait pas s'arrêter, en fait. Ok, on est bon. Comment on va jouer ça? Comment on va jouer ça? D'accord.
Ah, bientôt tué. Hein. Ah, j'aime pas. Je joue mal, en fait. C'est, en fait, 3, c'est trop dangereux, 3. C'est vraiment trop dangereux. Ah putain! Putain! Ok, cool. Moins un. D'accord, très bien. Que je me concentre un peu. Et l'autre s'est remis de la vie. J'essaye de parer en fait après que je me sois pris un coup, mais ça sert à rien par contre. Parce qu'on est déstabilisé tout le temps. Il n'y a pas d'équilibre en fait dans le jeu. Il y a zéro équilibre. Ça n'existe pas. Putain, ça n'existe pas! Parfait. Allez, putain. Bon, merde. Il s'est pris un bon critique, lui. L'autre. Oh, le coup de poing, quoi. Oh, là, c'était pas mal, cet enchaînement. Mais ils ont des super enchaînements, les mecs, hein. Waouh, pourquoi elle a pas sauté de loin? Pourquoi elle a pas sauté de loin? Pourquoi elle a fait un petit saut? Il m'a gavé lui. Mais oh la vache. Non, ça, je peux pas le stopper en plus. Sans gloire, voilà ce que... Allez, abandonne.
On devrait être bon. Rejoins mon équipage. Tu ne le regrettes pas. Ouh. Est-ce qu'on a pris l'équipement de l'autre? Je crois. Hein. Je crois que je l'ai fait. Là, j'ai aucune idée d'où est son corps là maintenant. Mais ouais, je pense qu'on l'a tué. Enfin, qu'on a récupéré son butin. Ouf. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, bienvenue. Bienvenue pour du gros combat. On est à combien de primes? Je pense pas que tuer les mercenaires, ça augmente la prime. Non, ça. Non, elle a juste baissé avec le temps. Ah putain. C'est bourré de bestioles à la con ici. Grotte de Pan. C'est la grotte de Peter. Oh merde, il y a des lions. Est-ce qu'on n'a pas une lance? Parce que c'est vrai que la masse, elle commence un peu à me... courir sur le haricot. Non, je l'ai désintégré la lance. Je l'ai viré. Allons dans la grotte. Mais ça veut pas. Ça veut pas quoi le. Le fait de pouvoir assassiner en fait. Merde, l'autre il est mort. Ok, je sais pas pourquoi. Non, il est pas mort. Mon navire va bientôt partir. Je veux t'avoir à son bord. Est sûrement nul. Hein. Pas trop close. Sûrement nul, ouais. Oh!
c'est le bordel ici. Et on fait quoi dans cette grotte? À part combattre des cinglés là. Il y a deux passages. Ok, ils font des sacrifices humains, ça tue. Mon Dieu. Ah, on est tombé sur une équipe de bons cinglés là. Elle fait que des attaques rouges, c'est ouf. Elle est morte? Ah non, le poison il avait... Il était arrêté, je crois. Bon, c'est pas grave. Des bottes d'Arès. Ah oui, d'accord. Elle a rien pris en fait. Bon, pas grave. Ça c'est vraiment embêtant. Comme j'ai dit, hein, faudrait qu'elle ait un rayon en fait, où elle prend plusieurs objets. C'était du bleu ou du violet, les bottes d'Arès. Dégâts animaux, chasseurs... Ouais. Quand on retournera sur notre bateau, on... Oh mon Dieu. Quand on retournera sur notre bateau, on... C'est quoi? C'est du sang. On verra pour récupérer genre un set d'armure peut-être. Bonjour. Faut bien être placé quand même. Pour que la massue marche bien, l'attaque de la massue. Je crois qu'on a tout fait, hein. Grand. Libérer les prisonniers, trésor 2 sur 3. Trésor, on est déjà venu. C'est un putain de labyrinthe. Ça, c'est un cul-de-sac aussi. Il nous manque des labyrinthes. Des labyrinthes. Il nous manque des. Des prisonniers et un seul trésor. Ah.
tout va. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, il est où le coffre? Là. C'est bon. Il a bien changé, hein, Peter. Je crois qu'on kidnappait des enfants. Maintenant, on torture des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rôdent. Oh là là. Ils reviennent dans la grotte, quoi. N'importe quoi. Bon, bah, cette petite aventure était sympa. T'es sympathique. Petit côté horreur. Il y a le 7 là. Nous, il nous manque, je crois, une seule partie. Les gars, même non. Je crois que c'est celui-là qui fait. Taux de brûlure 100% là. Ça, on pourrait peut-être l'utiliser, mais il faudrait gagner. Il faudrait gagner la dernière partie en fait. Faudrait trouver la dernière partie. Et après, on trouve un forgeron et on met à jour l'équipement. Et c'est pas mal du coup. Puis en plus, on est échelon assez élevé pour que les montées de niveau ne nous prennent pas trop cher. Donc ouais, je crois que c'est le seul set... Enfin, c'est le set le plus proche qu'on ait de compléter en fait. Mais je sais plus qui c'est qui le donne. C'est eux? Non, c'est pas eux. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est une âge, mais je crois que c'est lui. Hein. Je crois que c'est cette branche-là. Le filon d'argent, je crois. Je crois bien que c'est le filon d'argent. Un indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crypte de la côte des pilleurs en Akaya. On peut faire ça. Moi j'ai bien envie de faire ça. Alors, perdu dans une crique de la côte des pilleurs. Akaya. C'est où Akaya? Akaya. C'est loin. Arcadia. Akaya. 42-46, fait chier. C'est un peu trop pour nous. Hein. C'est un tout petit peu trop pour nous. Dans une crique. Ah, ça pourrait être un peu partout. Quoi. L'île de Poséidon, peut-être. Ouais, ça peut être ça. Enfin, je veux dire que... On peut faire ça. Me voilà. Ok, on a trouvé le soldat à sauver.
Ouais, ça veut pas. Ça, c'est vraiment con, ce système. Ça, c'est... Je trouve ça très con, ce système. Où, si on se place bien et tout, on peut pas tuer... En fait, on peut pas jeter la personne d'une hauteur. Il faut la tuer. En fait, faut être assez puissant pour la tuer. Ça a aucun sens, en fait, de faire ça. Parce qu'on se fait chier et tout. On devrait pouvoir tuer les personnes comme ça. Genre, la chute devrait faire partie des dégâts. Au final, la chute, elle fait pas partie des dégâts du tout. Parce qu'elle est pas comptée dans les dégâts. Ah, l'autre il a rien entendu. Donc ça sert à rien en fait de se faire chier à les prendre comme ça, genre on les fait tomber. C'est débile. Ouais, déçu de ça. Très déçu. École sanglante. Récolte sanglante, j'ai activé la quête, je vais voir ce que c'est. Alors peut-être que ça s'empérait, peut-être parce que s'il était d'humeur violente de ce genre, Cassandra mena bien une tâche sans même le savoir. Il lui reste qu'à aller chercher sa paix. Parler à la paysanne. Okay. Alkip, la rose du désert. Je suis venu. T'es venu pour la prime, ça va, c'est bon. Pute quoi. Aïe. Je vois que ça me fait un putain de flashbang de ouf quoi. Ça l'a pas flashé l'autre. Oh la vache, j'en étais sûr. Quoi.
Aïe aïe aïe, que du combat. Si on tue lui du coup, elles vont désaggro les autres ou pas? D'accord. La réponse est non. Oh la vache. Ouais. C'est vrai que c'est des coups d'épaule et pas des coups de lance quand même, parce que sinon plein de poison à la con là. Armure de cogneur. Ouh la vache. On perd en tout, d'accord. Bien. Intéressant. Ah, on a plein de trucs, mais pas intéressant quoi. Trop bien. Oh. Oh. Juste à temps. Attends, on n'a pas fini. On passe par là, mec. Tu peux ou pas? Évidemment que tu peux pas, putain. Tu peux vraiment pas? Oh là là, oh le casse-burde, oh le casse-burde. Ah tu ça laisse à désirer hein, ton envie de quitter le camp quand même hein. Maintenant on le fait partir en bateau. Il y a un mercenaire qui a un arc qui tourne les flèches. Oh putain mais merde. Du coup il va faire comment pour me rejoindre? Qui change les flèches normales en flèches de feu. Je crois que ça va être top. Une fois qu'on l'aura, on va récupérer Agamemnon, là, le set complet. Et on va utiliser ça. Taux de brûlure plus 100%. Là. Allez, viens. Et on se spécialise dans le feu. Je pense que ça va faire très mal.
Je commençais à croire que tu ne viendrais jamais. Toi ! Alors, Emilko, on ne dit pas bonjour ? Ça faisait longtemps. Et Itor, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bien sûr ! Il ne t'a rien dit, pas vrai ? On s'est servi de toi, idiote ! Assez ! Je ne suis pas là pour t'entendre, mais pour te voir mourir. Non, c'est un mensonge ! Sérieux ? Tu n'es pas grand cas de l'amitié, Itor ! Écoute-moi, désolé, mais tu n'as aucune idée de ce que cet homme m'a fait subir. Oh, arrête ça, Aitor. Ça fait deux Dis-lui fois. Dis-lui plutôt la vérité. Tais-toi, meurtrier. Qu'est-ce qui se passe ? Crois-moi, cet homme mérite de mourir. Je t'ai confié une tâche, me le ramener. Reste-en là et je saurai te récompenser. Je l'ai libéré comme tu me l'as demandé, alors pourquoi le tuer ? J'aurais pu le faire, si c'est ce que tu voulais. Non, il fallait que je le voie. Pourquoi ? Parce qu'il a tué l'amour de ma vie. Nous sommes tous les deux coupables. Mais elle était ma femme à moi ! Ta femme ? Elle ne serait pas morte si... Si quoi ? Si je ne vous avais pas surpris ensemble ? Si tu ne m'avais pas attaqué ? Si elle ne s'était pas interposée ? Et si nos lames ne l'avaient pas frappée ? À qui la faute ? Quoi que vous ayez pu faire tous les deux, ça ne la ramènera pas. Au moins, je me sentirai mieux. Finalement, c'est tout ce qui compte à tes yeux, n'est-ce pas ? Apaiser ta conscience. Si on tuait les deux... Tu te sentiras mieux après l'avoir tué ? Je peux t'assurer du contraire. Et j'ai l'impression qu'elle n'aurait pas aimé qu'il vous arrive malheur. Oh, tu as raison, je suis désolé. Désolé ? Tu as ruiné ma vie ! Moi aussi, je suis mort ce soir-là. Je suis d'accord avec ton ami. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Oh, toi ! Laisse-le partir. Tu as fait le bon choix. Oui, parfois il est impossible de réparer ses erreurs. Heureusement, les miennes n'ont pas eu une si mauvaise influence sur toi. Il faut surtout savoir oublier le passé, comme je l'ai fait pour Kefalonia. Tu peux mener une nouvelle vie. Alors profites-en. C'était nul comme quête. Ah, il y a des quêtes qui sont vraiment à chier. Hein. Celle-là, elle était vraiment à chier. Eh, on est à 100K d'argent. La première fois qu'on arrive à 100K. Aïe. Alors, parler à la paysanne. On se met en route. Maintenant, on va voir un peu le reste des quêtes aux alentours, mais ouais, moi je suis partant pour... Ah non, mais c'est où, laissez tout. On va galérer, déjà que ça va être c'est relou. On va galérer parce que c'est pas de notre niveau. Non. Ah merde. Ils vont se montrer très vigilants. Oh, les machins qui t'attaquent direct avec des attaques chargées là. Désolé, range tes lames, Cassandra. Merci. Je peux te rendre service ? Comme mon mari et mes fils sont à la guerre, un commandant cupide a proposé de s'occuper de vendre mon grain au marché. En fait, il veut profiter de mon travail. Tu ne peux pas refuser ? J'ai essayé, mais ces hommes sont venus la nuit et ont pillé ma ferme. Je veux les récoltes et je veux le sang de ce chien. Bien sûr. C'est fait. Tu veux que je m'occupe du commandant athénien. Je t'en serai redevable. Tu peux dire que tu as de la chance. C'est déjà réglé. Tu m'as rendu un grand service, mercenaire. Prends ceci en remerciement. J'aurais besoin de quelqu'un ayant tes compétences. Ça t'intéresserait de rejoindre mon équipage ? Tu sais, j'ai toujours rêvé d'aventure. C'est peut-être ma chance. Je vais venir. Cool.
Ça aussi, un truc qui pourrait être vraiment pratique, c'est de mettre le niveau des gens avant de les recruter. Genre avoir l'affiche qui se... une affiche en fait, en montrant les niveaux et tout ça. Et si c'est des gens légendaires ou pas. C'est ça aussi. C'est des petites choses comme ça, mais quand même, ils auraient pu réfléchir 3 secondes. Tu vas me dire qu'il n'y a rien là ? Genre ça, c'est quoi ça ? On va aller voir. On va d'abord regarder la plage vite fait. Il y a un camp là. Camp de mort. Ça a déserté. Ah, mais c'est pas un champ de bataille, ça? Marathon. Ah, c'est la marathon, d'accord. Ok. Allez, on y va. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Alors... Ah, on pourrait finir le fort, allez, à la limite. Cet endroit commence un peu à me... Ah putain, monte. Un peu à me taper sur le système, en fait. Ça me rappelle l'autre endroit où il y avait que des montagnes partout. Là, c'était chiant. C'était beaucoup de montagnes et des forêts denses. Là, c'était vraiment relou. Là, ça me rappelle ça, là. On met un peu 3 siècles en... Oh putain. On met un peu 3 siècles à aller n'importe où en fait. What? Pourquoi j'ai les flèches de feu? C'est reparti. Pas du tout ça que je voulais faire, je vais pas me soigner. Fais l'attaque, merci. S'il est bon, là. Non. Par contre, il a un papier sur lui. Indice sur adepte.
On va regarder ça vite fait. Un mission adepte, ça c'est bon pour nous ça. C'est mort. Mais faut le lire, comment ça se passe? Non, ou à moins on l'avait déjà. Ah, il n'y a rien qui s'est illuminé, donc j'imagine que c'est quelque chose que... Quelqu'un qu'on a sûrement déjà tué en fait. Quelle merde! T'es sérieux? La torche elle est revenue? Eh ben évidemment. Tout ce qu'il y a. Marrant, ça. Bien joué, moi. Bien joué. Anastasia. Il y a beaucoup de monde. Mais putain, récupère les choses. J'ai pas l'impression que tu veuilles m'aider, Cassandra. J'ai pas l'impression qu'elle veuille jouer dans mon camp là. J'ai zéro vie. Je vais mourir. Ah, ils ont tué son machin. Ils ont tué son chien ou pas quoi là. Hathor,
forcené. On peut prendre Hathor avec nous. Hathor, il est 40. La forcené. Oh la vache. Bien joué. C'est un peu le bordel, mais... se débrouiller. On va y arriver. Le truc, c'est que quand un nous voit, les autres nous voient à chaque fois. C'est ouf. Pas du tout l'aigle en fait. Il y a Evagora là qui est presque mort. Et 41 l'autre. Il y a un archer! Protégez-vous! Helios chasse Sélène une fois de plus. Chaud. Ah, elle est partie l'autre. Allez, l'assassinat! Non mais t'es sérieux là? D'accord. Trop bien, l'assassinat qui veut pas apparaître alors qu'elle est derrière moi. Je suis derrière elle. Oh la pute.
Ah, le coup du poison, elle, elle est relou. Ah, mais l'autre, je crois qu'elle avait un... un équipement en or. Mais... oh, l'assassinat. Je peux pas. Je sais pas ce qui se passe. On est d'accord qu'on n'est pas en combat, la merde. On n'est pas en combat ouvert. Mais sans déconner, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, je peux pas. Ouais, trop bien. La merde. Hein. Là, c'est complètement de la merde. Complètement de la merde. Je sais pas pourquoi ça veut plus assassiner. C'est trop bien, quoi. Là, c'est... je pense pas que ça soit moi. Hein. Ça va, vous en foutez? Ça marche. Je vois pas pourquoi... elle est immunisée à l'assassinat? Ouais, non, j'en sais rien. Ouais, non, mais l'autre qui s'est, qui s'est enfui, la 41, là, le... on avait... si on le voit ici, j'aurais des envies. On avait de l'or à récupérer. Hein. Ah. Non, mais je... ah, ça y est, putain, enfin. Oh, oh la vache. Ah, l'autre qui est parti là. Ah, ça casse les burnes. C'est elle? Je crois. 40. Je crois que oui, c'est elle, à tort. Pas grave. Ce n'est point grave. Allez. C'est reparti. Trésor public. Bien, il n'a pas vu le feu.
nickel. Parfait. Parfait. Voilà qui va priver Athènes d'un avantage certain. On peut partir. La merde hein, pour l'avoir. Je crois que là le ralenti m'a sauvé la vie en fait. J'ai clairement entendu quelque chose. Ah oui, t'as entendu, viens voir. Bien. Allez, reste plus que lui. Et on se casse. Un bon sprint sur lui, ça serait cool. Voilà. J'aurais fait, moi, des habilités un peu plus intéressantes. Genre, par exemple, si on... comment dire? Genre oui, par exemple, si on tombe de très haut, on fait plus de dégâts. Par exemple, ça c'est peut-être pas mal en assassinat. Ça nous forcerait à bien regarder le terrain et voir si on peut pas se mettre en hauteur et tout ça. Un peu comme la gravure là qui fait qui fait genre 40% de dégâts de plus avec les flèches quand on est au-dessus de notre cible. Donc ça par exemple, des trucs comme ça, ça pourrait être bien. Je ferais aussi un truc genre sprinter. Genre si on sprint pendant quelques secondes, genre comme ce que je viens de faire dans une ligne droite, on fait un critique automatique, genre je sais pas, quelque chose de fun. Je sais pas, ça pourrait être plus sympa, je trouve. Ça pourrait être un tout petit peu plus sympa. Retourner voir Cléon. Les hauteurs d'Oro... Quoi ? D'Oropos, pardon. On peut aller dans les hauteurs. J'aime pas les hauteurs, mais... Ben, j'aime pas la montagne, mais bon. On est à côté, quoi. Tout est loin après, vraiment tout est très loin. Oh, 40, 50 mètres le cheval. Voilà, re-téléporte-toi, c'est bien. Prod de la folie. Ça a l'air marrant, tiens.
Ok. Ah oui, on peut aussi augmenter notre lance. Mais bon, on va pas gagner grand chose. On gagne, je crois, de la vie et une barre de... d'adrénaline en plus et tout. T'es sérieux avec ça, Fouille? Ça c'est quoi? Les racines? Ouais non, on se casse. Ouais, je crois qu'on peut faire un niveau parce qu'on a 7 fragments, mais ouais, c'est pas vraiment intéressant. C'est juste un d'adrénaline, un peu de vie, un peu de dégâts. Je pense que ça sert à rien de se... d'aller se balader, de prendre le bateau pour aller là-bas. C'est loin en plus. Ça aussi c'est joli comme vue là, de voir ça. De voir la ville allumée de l'autre côté. C'est cool. On ira quand on pourra faire deux niveaux. Le deuxième niveau va nous donner les niveaux 3 des habilités. Donc là, on va pouvoir refaire le jeu. non pas le refaire le jeu. Refaire les habilités et tout ça. Sanctuaire de soins d'Amphia Raos. Je vais devoir faire très attention par ici. Nanesia, c'est qui ça? Ah putain, ouf, bien sûr qu'il y a un ours. Ta mère. Alors là on est bien dans la merde. Sprint pas, hein, Cassandra, prends ton temps, prends ton temps. Mais non, sans déconner, quoi. C'est nul, la forêt. Putain, mais donnez-moi un lance-flamme, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, la vache. On est tombé sur quoi encore? Des sauvages, je crois. Elle est où l'autre qui nous pourchasse? On a du monde en route. Faut qu'on se fasse le l'ours là. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Très bien. Je vois d'où viennent les flèches. Ouais, ouais, ouais. Quoi?
saloperie. Il y a une autre course. C'est elle. Nezaya. Très bien. Ça va, c'est juste un ours. Merci de vous être réunis. Voilà, très bien. Ah, regarde, un deuxième corps. C'est marrant, ça. Eh ouais, ta boss, elle est morte. Voilà. Merde, pas ça que je vais faire. Très bien. On a récupéré sa ceinture à l'autre, tu vois un peu. Dégâts à ta petite surpuissant, adrénaline par coup, chasseur. Ouais, c'est pas top. Enfin, on gagne en chasseur, mais bon. Vous savez quoi, on verra quand on sera... Pour l'instant, on met ce qui est nouveau. Mais on verra un forgeron, si ça coûte cher, de mettre à jour l'équipement. Bon, par contre, les... Non, non, j'allais dire, ils ont abandonné les mercenaires, mais non. Merde, il a un chien. Ma récompense. Ah putain, mais j'avais pas le... l'adrénaline. Ah putain, fait d'attaque, bordel. Ah, des fois elle veut pas, ça enregistre pas. Hein. Je sais pas exactement pourquoi, c'est juste parce qu'elle veut... Allez. Elle est pas fluide dans les enchaînements de ses habilités, je crois, tout simplement. Donc je dois mettre une pause, en fait. Oh. Avance. Ça m'intéresse, par contre. Où est l'entrée? En bas de la rivière peut-être. Ah, là. Tombeau d'Orion. Ouais.
va être fun. Oh, quelque chose bloque. Ok. Oh là, pourquoi c'est gris comme ça? Piège. Okay. Un peu déçu des pièges, toujours les mêmes pour le moment. Ça casse un peu le fun d'explorer en fait. C'est pour ça que je vais de plus en plus vite. Oh la vache, j'avais pas vu celui-là. C'est du niveau 40. Passer là ou pas? Évidemment que non. Faut vraiment tirer le truc. C'est mignon, ils nous ont dessiné un chemin. Au cas où, si on était trop con. Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Il faut toujours la stèle. Qu'est-ce que c'est grand? Oh! J'ai entendu le bruit un peu tard. Ah! Peut-être que... Là, là-haut. Ok, il y a quoi de ce côté? Un serpent. Attendrisseur. C'est bon ça. Attends, c'est juste là et... Je suis déjà venu là.
Ah, elle est juste devant. Je l'ai loupé. Parfait. Eh ben. Et je vais être honnête, ça m'a redonné envie de retenter. J'avais allumé la torche exprès pour savoir où était la sortie. Ça m'a... Oh putain de merde, t'es sérieux? Là, c'est un chien. Ça m'a redonné envie de tenter Witcher 3. Ah la pute. Ça m'a donné envie de retenter Witcher 3, genre je prends les DLC et tout ça. Par contre, faudrait que je regarde s'il n'y a pas des mods pour améliorer mon expérience. Nick, le silex. Ouais, peut-être. Cool. Donc aptitude. Vingt secondes. On peut. Attends. Toxique, ça encore. Ah oui, non, mais ça c'est pas le temps des ennemis, c'est le temps de moi. Alors je prends ça, c'est parce que quand on va arriver dans le dos des ennemis, on va faire ça au lieu d'avoir le coup de pied spartiate. Il est en train de voir ce qui s'est passé ici. Je mettrais même un pouvoir, genre plus vous avez d'adrénaline, plus vous pouvez faire des dégâts en assassin critique. Là, ça utilise plus d'adrénaline. Ouah, c'est peut-être un peu OP quand même. Non, j'ai rien dit. Bon, ne traînons pas. Ça marche. Qu'est-ce que tu me saoules? Très bien. Ça fait mal hein, quand même le tir chargé là. Destructeur. De près comme ça. C'est vachement. Ouais, c'est pratique. Hein. Ça, j'ai l'impression que ça fait une sorte de shotgun quoi. Genre un coup de fusil à pompe quoi. Pas besoin de ton aide. Hein.
Surtout pour attaquer des chèvres. Ouais, c'est trop bien. Juste pour l'adrénaline que je fais ça, comme d'habitude. C'est pas ma guerre. Campement militaire de Potnice. Oh, un tueur d'élite Périmos. Ça marche. Mec malin. Mec, il a vu qu'il y avait un trou dans la... dans la truc. Il s'est... ah putain, je vais regarder là. Très malin, lui. Non, toi, pas bouger. What the fuck? Vache! Putain, je t'ai fait sortir du camp avec mon attaque chargée, ça tue? Merde, l'autre, ils sont venus me chercher ou pas? Non. Si, ils sont venus me chercher. Oh la pute, quoi. On a mis l'autre à terre. Oh là, l'enchaînement de merde. Qu'est-ce qu'il est court, mon aigle. T'as vu, c'est nul hein, cette habilité hein. T'as vu ça, comment c'est nul. Tu as de la force. Bien. Rassemble tes affaires et retrouve-moi mon navire. Le tir en éventail là, comme c'est pourri. Alors, potentiel incendie par épronage, dégâts d'épronage, vous évitez d'après le virage serré. Ça a l'air pas mal, ça. J'ai bien envie de le mettre à la place d'elle, mais... Ah, un blindage, accumulation, j'avoue. Je crois que Kazan Boss, c'est le gros bourrin, en fait. On va en changer un peu, c'est pas grave. Cet endroit sera en alerte. Voilà.
Où tu vas? T'as pas la tête? Je crois qu'on est bon. J'ai rien dit. Ouais, le ralenti, c'est censé nous aider à viser la cible en fait quand elle nous voit. Merde, putain. Mais j'avoue que au final ça nous aide à. À assassiner en fait. Putain. L'attaque, merci. Je crois que c'est parce que j'essaye de la placer dans un enchaînement en fait. Mais faut que l'enchaînement finisse en fait. Les loups. Très bien, il y a un truc là-bas. Ah, on enchaîne les zones, là, c'est marrant. Ah, merde, j'ai pas fini. Piller le trésor, putain. Pas fini. On est là. On y va. Let's go, Mario. Me touche pas. Ah merde, non, on peut pas. Là, c'est un peu trop loin. Si du sacrifice d'Iphigénie. Ça a l'air d'être un lieu bien pourri ici, tiens. Ouais, non, ça on le fera quand on sera en bateau, parce que là c'est un peu loin. Je vais pas pouvoir tuer les requins en fait, s'il y en a. Enfin, il y en aura toujours des requins de toute façon. Allez. Mais ouais, là c'est trop loin. Mika Lesos. Attaque de brigands, nouveau lieu découvert. On va s'amuser. On va s'amuser ici, tiens. Ok. Ah, il y en a un autre là. Ok,
Il m'a vu ou pas? Ouais, il m'a vu. Très bien. Suivant. Ça va faire mal. Tu sais voler ou pas? Oh non, le truc de merde quoi. Vas-y, vole. Attends, c'est lui là qu'on a... Ouais. Ouais, 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 le truc de ralenti est cool. Vraiment cool. On l'utilise pas comme c'est censé être utilisé, mais ça marche très bien. Du tir. Par contre, je voudrais bien récupérer ce qu'on a fait tomber. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué de récupérer ça. Grave. Après, il y avait le gros là qu'on a fait jarter, je sais pas où aussi. Ah bah il a. Ah non, c'est bon. C'est bon, t'es libre. Ouais, je pensais que ça allait être un peu plus fun. Ça. Bombassa. On a toujours des mecs qui se mettent sur la gueule. On a un mec qui vient nous chercher. Là-bas. Très bien, très bien. Là, en fait, on a tellement de niveaux, je me suis dit que peut-être qu'on pourrait aller chasser le mec du cosmos. Je vais voir. Nous, on est quoi? 40? Non, on est 39. Je pensais qu'on était 40. On est 39 et le mec du cosmos est censé être en Akaya. 42, 46, c'est chaud. Ça va être chaud. Faudrait au moins être 40. Mais même là, on va déguster, hein. Ça va être relou de combattre les ennemis un peu de haut rang. Hein. Ça va bien être chaud. Oh, c'est joli ça, c'est quoi? C'est une ville ou c'est un fort? Enfin, une base. Campement de Mélanipox. Oh, c'est sympa ici, j'aime bien. J'aime bien le décor. Les Kritos. Quelque chose dans la grotte aussi. Et en haut là-haut. Putain.
Je dois rester hors de vue. Tu dois attendre la nuit surtout, ouais. Et après, on verra. Fallait que tu mettes un peu quelques points dans les HP, toi. Putain! Et tout. Qu'est-ce que tu cherches à trouver? Attention. Waouh, du fromage de chèvre. Ça m'ennuyait, les mecs. Non, il n'y a rien de bien. Hein. Par contre, l'épée, elle commence. Enfin, la dague, elle commence à se faire un peu molle. Je l'ai remarqué. Très bien. Sans déconner. Ah, je rigole pas avec ça, hein, parce que putain, qu'est-ce qu'ils font mal. Très bien. Ah, mais il n'y a pas de grotte. Je crois qu'il y avait une grotte, en fait, non. C'est juste un recoin. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Là-bas. Gaïa, la professionnelle.
Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort? Oh, elle combat un ours. Marcher. Tombe. Non plus. D'accord. D'accord. Oh, ah oui, complètement, ça passe à travers. Putain, elle me fait un... L'autre il va regarder, il est descendu du cheval l'archer là. Je crois qu'il m'aide là. Non? Il m'aide. Je sais pas pourquoi mais il m'aide. Bah, il s'est fait défoncer hein, le mec. Mais... Lui aussi, il est mort d'une crise cardiaque, apparemment. Ah, tu parles d'une professionnelle. Tant déconné. Allez, Phobos. Oh mon dieu, les dégâts. Oh mon dieu, il y en a plein. Bien aller récupérer ce qu'il a. Ok, bien. Quelle saloperie ces machins. Un truc qui serait pas mal, c'est un équipement qu'on permet de respirer sous l'eau. Ça existe, on a de... Enfin, un équipement, non. Pas besoin, il y a une gravure pour ça. Mais ça peut être marrant de jouer comme ça. Attends, je suis parti où, moi? Parce que là, on est parti, je sais pas où. Apparemment, là, c'est une grande ville. Une très très grande ville. On a qu'à y aller, allez. De toute façon, on va devoir s'arrêter.
va être la fin de notre épisode, on va découvrir une nouvelle ville. Ah, peut-être qu'on va trouver un forgeron qu'on regarde un peu. Pour l'équipement. Thèbes. Ah, c'est Thèbes. Cool. C'est joli Thèbes, il paraît. Ah, c'est petit par contre. Acropole de Thèbes. Ouais, non, c'est pas petit en fait. Oh, bonjour. Il y a un forgeron. On peut pas rentrer. Ah, ça va. Mieux vaut éviter de se faire voir. On fout le bordel déjà. C'est au-dessus de quel édit... Ah merde, d'accord. C'est pas du tout le bon. Ça va, vous avez rien vu. Faire pas, faut arrêter de faire joueur à chaque fois. Ah la pute! Oula, vous me faites chier. Très bien. Je vais être honnête, ça commence à me gaver de tout jouer au dague. Ça commence un tout petit peu à me saouler. Toi, t'as une épée violette. Faut voir qu'on s'arrête. On va peut-être faire lui, après on s'arrête. Fais voir. 39. Dégâts de massue lourde, on a pareil. Guerrier, c'est pas mal ça. Voilà. Quand j'ai dit de sauter haut, ça devrait faire plus de dégâts. Voilà. Ah.
on va s'arrêter là, on va se mettre là. Alors t'as une épée violette. Important dégâts critiques, dégâts de guerrier, dégâts de dégâts toxiques. On perd en tag. Enfin, on perd en arme, en attaque en fait au final. Ça augmente les. L'attaque ça augmente parce que c'est une. C'est 38. Mais on perd en dégâts en fait. Ce qui est bizarre. Violet. Ah, massue lourde, ça peut être pas mal. Notre casque, y a rien. Les ça, 41, 40. 39. Dégâts, lance et bâton. On n'a pas lance et bâton. Lance, dégâts chasseurs et animaux. Non. Pas vraiment de choses intéressantes. Accumulation d'élémental, c'est bien. Chasseur, dégâts, assassin. Oui, à la limite, oui. Adrénaline pour assassin, dégâts, assassin. Ah non, mais c'est pas vraiment utile, c'est l'adrénaline pour les assassins. Parce que ça sera jamais assez pour faire une barre plus, en fait. On va, je crois. Enfin, pour le moment, avec ce qu'on a. Donc, du coup, on gagnera jamais plus de choses, quoi. Plus de barres. Si on pouvait gagner 2 barres à chaque assassinat, bon, oui, à la limite, là, oui, je peux comprendre. Mais... Rhoda, la femme des cavernes. Ah, il faudrait... Il faut taper dans l'échelon 3... Ouais, 4 au moins, en fait. Pour avoir du bon équipement. Non. Là. Ouais, c'est lui qu'il nous faut. Ah, il est où ? On rigole. Ah tiens, on peut faire le combat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Il est où le mec? À 6500 mètres. Attends, je le vois même pas sur la carte. Par là. C'est celui-là, quoi. Okay. C'est du 39, 30... C'est... Ah, bah c'est de notre niveau. Là, on peut y aller à Hélice. Donc, on pourrait aller chasser ce mec. Bon, je dis pas qu'il va être facile, hein. Ça, c'est sûr. Mais... On pourrait partir en Midas. Midas, ici. On pourrait partir en guerre, dans un sens. Enfin, en conquête. Mais par contre, il faut cet adepte-là. Parce que je suis sûr que ça, c'était les adeptes avec l'équipement là, qu'on utilise. Ah, Agamemnon. Après, je sais plus. Bon, c'est pas grave si on sait plus. Mais faudrait découvrir celui-là. Mais après, ouais, on peut partir en conquête de... Enfin, en truc loin, quoi. Enfin, je peux faire ça. En plus, c'est pas vraiment très loin, en fait. Il y a Cephalonia ici. Il y a ça aussi, il faudrait qu'on y retourne. Ouais, on peut faire ça. Je sais pas ce qu'on va faire exactement dans les prochains épisodes, mais on pourrait faire ligne droite. On fait toute cette partie-là, et puis à un moment ou à un autre, on va faire... On retourne sur l'île oubliée. En plus, là, il y a un port. Il y a un quai. Donc, on peut rappeler notre bateau. On retourne un peu à la petite île oubliée, là. Et après, on va ici. Ouais.
pourquoi pas. Si on a l'opportunité, pourquoi pas, je dis. Et il y a Akaya sur le chemin aussi. Je veux pas dire, mais ouais, il y a tout d'un trait. Ça serait intéressant. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.